Bonjour et bienvenue dans Mashups, l'émission où on combine deux styles totalement différents pour faire quelque chose d'original. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me demander, et non. Hold up. Vu que vous l'avez déjà vu dans le titre de cette vidéo. Laissez un j'aime d'ailleurs, ça fait plaisir. Donc, comme vous le savez très bien, il est temps pour moi de redessiner Link de Zelda dans le style de Tim Burton. Alors, l'approche que j'ai eue dans ce dessin, c'était avant tout de faire ressortir l'aspect spooky de Tim Burton. Normal, vous allez me dire. Et vous aurez bien raison. Mais vu que Link est tiré d'une série de jeux assez colorés et vibrants, je me suis dit que rendre le tout un peu plus effrayant serait une bonne chose pour casser un peu l'esthétique joviale et mignonne de Zelda. C'est vrai qu'on a eu des jeux Zelda qui avaient une esthétique un peu plus dark que ce qu'on a l'habitude de voir. Le premier étant, je pense, Majora's Mask, qui a sûrement terrifié une génération entière de gosses. Et le deuxième étant Twilight Princess, qui fait plus Zelda mature qu'effrayant. Mais qui, par moments, sait établir une atmosphère, dirons-nous. Eh, hey, salut, c'est Mox. Oui, Mox du futur. J'interromps votre série préférée pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est le jour où sort le premier épisode de mon podcast avec mon ami Stain. J'ai nommé Culture Pot, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dans le coin de cette vidéo pour accéder au premier épisode. Sans plus attendre, voici la suite de l'épisode. Après bon, je peux pas trop parler parce que j'ai fait aucun des deux Zelda dont je viens de parler. Ouais, je sais, honte sur moi, qui ose me prononcer comme étant un fan de la série Zelda. De base, ce dessin, je l'avais fait un peu comme une revanche envers moi-même, envers mon moi de l'année dernière, qui avait déjà tenté un Link dans le style de Tim Burton, mais qui avait vraiment rien donné de concluant. J'avais laissé ce croquis à l'abandon comme un échec, donc aujourd'hui, je peux revendiquer avoir réussi à rectifier cet échec. C'est ma catharsis. Je sais pas si on peut employer ce mot dans ce contexte, mais allez, j'ai le droit, c'est mon triomphe personnel, je m'autorise d'employer ce mot pour cette situation. Quand j'étais en train de faire le croquis de ce dessin, j'ai eu comme une illumination. Et si je donnais un effet 3D, je me suis dit. Parce que en soi, les films de Tim Burton sont faits en stop motion pour la plupart, si ce n'est même tous. J'allais justement dire que je savais pas si tous les films étaient faits en stop motion, mais je viens de me rappeler qu'il avait aussi fait des films live. Et plus récemment, il a dirigé la série Wednesday, ou du moins les premiers épisodes de ce que j'ai compris. D'ailleurs, dites-moi quel est votre film de Tim Burton préféré. Je pense que le mien, ça doit être Edouard aux mains d'argent. Pour moi, c'est l'esthétique dans ce film qui fait tout. Genre vraiment quand on voit le cliché des maisons de banlieue américaines bien colorées des années 50, mais dans un style un peu cartoonisé, et à côté t'as un gros manoir gothique, bien noir, bien sombre. J'adore les visuels de ce film, franchement. S-tier. Vu que je suis très paresseux, vous aurez remarqué que je n'ai pas fait mon propre arrière-plan, mais j'ai honteusement volé cet arrière-plan sur Google Images. Mais vu qu'il est flou, c'est pas grave. Je m'en fous. Est-ce que c'est de la triche? Oui. Est-ce que c'est de l'art? Oui. Est-ce que ça compte? Absolument. Donc c'est bon. D'ailleurs, j'y pense que maintenant, mais les autres artistes qui dessinent de cette manière, sans ligne, etc., qui font de la peinture digitale, ces gens-là, ils font pas comme moi j'ai fait là, c'est pas la bonne manière que j'ai employée. Et j'aurais sûrement dû faire comme eux. C'est-à-dire que j'aurais dû dessiner directement sur mon calque de brouillon, plutôt que de le cacher et refaire apparaître deux secondes après. Juste pour tracer de manière logique. Mais bon, que voulez-vous? Il y a des fois où je suis pas très malin. Ouais, souvent même.
Sur la fin, là, j'avais commencé à mettre mon logo, quand je me suis dit qu'il manquait quelque chose. C'est pour ça que sur la gauche, au premier plan, je me suis dit que ce serait pas mal qu'il y ait un ennemi. Parce que bon, Link, il a sorti son épée, c'est pas pour rien. Du coup, quelle meilleure manière de rappeler Tim Burton que de faire un squelette ? Alors j'ai fait un squelette sombre, qui sera flou, pour donner un effet menaçant. Et je pense qu'avec ça, on peut finir cet épisode. Vous en avez pensé quoi de ce mashup Link Burton ? Plutôt cool, hein ? Dites-moi quel personnage vous voulez voir, et dans quel style ? Dites-le moi en commentaire. Il y a 99% de chances que je le fasse, à moins que ce soit un peu trop bizarre, hein, n'est-ce pas ? Mais si ça rentre dans ce que je peux vous proposer, ça peut se faire, ça peut devenir une vidéo. Donc n'hésitez pas à me proposer un petit challenge comme ça. Merci de vous abonner. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox. Merci de votre attention. J'adore les visuels de ce film, franchement. Estire.